Salut tout le monde, c'est Alfredor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra où aujourd'hui je vais vous apprendre à faire vos propres decks, à vos propres régions et vos propres stratégies. Mais avant ça, début de semaine, on récupère les chests. Oh un jeton, trop bien. What? Regardez-moi ce bordel. What the fuck? Alors coffre de platine, coffre de diamant, amélioration, coffre de diamant, allez ça va partir en couille. Oh, jeton de draft, on pourra faire une draft, c'est parfait, j'avais pas de sujet de vidéo. Alors coffre de platine, on obtient des fragments et on obtient des cartes en tout genre, ça fait plaisir. Voyons voir, oh des cartes bleues. Alors sage Zephyr, immédiat, crée une copie d'une carte de votre main. Navigatrice intrépide, insaisissable à la ligue que je soutiens pour ce tour, général de la légion. Ah oui, pour ça c'est très fort sur un deck stone. Dernier souffle, la cible de Yeti Furieux dans votre deck. Oh. Petit, mignon. Ok, les fragments, on passe au prochain coffre. Coffre de diamant, on est plus haut. Protectrice d'acier rayonnant. Ok, barrière, challenger. Quand je suis invoqué, invoquer ma copie exacte. Okay, ça, c'est bien pour les decks boost. La suite. Oula, des jokers à l'infini. Du coup, la seule carte que je viens, c'est appel de la brume ranimée, un allié aléatoire mort pendant ce round. Pas mal, ça. 60 fragments, des jokers, toujours plus de jokers. Lancier céleste, dernier souffle, crée unité élite dans votre main. D'accord. Des fragments et le dernier coffre. Alors, pas grand chose. Oh, un bon allié. Confère barrière à un allié pour ce round. Recevez un emplacement de mana ville et restaurez 3 PV de votre nexus. Ok. Suite. Code de maille. Octroyer robuste à un allié, c'est pas mal ça. Voyons voir, catalyseur de l'éternité. Tracker de mage conservateur. Créé dans votre main un sort d'un coup de 6 ou plus venant de la région autre que Demacia. Là, les champignons. Voyons voir, oula, il y a pas mal de trucs là. Drain 4 PV. Placez 4 copies de l'allié que vous soutenez dans votre deck. Oh la vache! Imagine, tu fais ça avec. Oh, il y a plein de trucs avec. Quoi, tu peux. Cœur de Rimbomboule, ça c'est trop drôle, c'est trop drôle. Conféré, ok, insaisissable, le dernier c'est des fragments. Voilà, pas mal, pas mal. 1700 fragments mon gars. Les jokers ça part à l'infini. Mmh, délicieux. On est bientôt 6000, c'est totalement délicieux. Les coffres à zéro, nous sommes pas dans les coffres. Bon, et sur ce, comme je l'ai promis, je vais vous montrer comment créer vos decks. Bon déjà, allez dans création et truc très important, c'est soit vous choisissez de ce que vous voulez jouer. Par exemple, vous voulez jouer des élites, des frappes rapides, des insaisissables. Soit vous choisissez les régions et en général, vous pouvez faire des bons trucs. En général, là, du coup, j'ai envie de faire un deck barrière, win avec Fiora dedans. Du coup, on va partir sur Demacia pour obtenir Fiora. Et sur Ionia, qui a beaucoup de cartes intéressantes dans ce genre. Du coup, on va partir sur la direction de prendre Fiora. On va prendre Zed également, parce que Zed, c'est incroyablement fort. On va prendre un Garen de Demacia, qui est très fort avec sa régénération. On va prendre Shen, qui confère totalement des barrières, gratuits. Alors, j'ai vu des alliés bénéficier de ces barrières au moins à 4 reprises, et ça me donne à Shen. Lorsque un allié reçoit barrière, il faut 8 plus 3 plus 0. C'est excessivement fort. Là, la condition de win de Fiora, ça va être de tuer 4 ennemis. Voilà. Lorsque j'ai tué 4 ennemis et survécu, vous remportez la partie. Sauf que c'est 4-4. C'est pas beaucoup. Par contre, c'est très fort si tu as plusieurs Fiora. Malheureusement, on n'en a pas plus. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre un robuste. Ça peut être très intéressant. Voyons voir. On va prendre les cartes principales du deck. Celles qu'on aura le plus besoin. Rappel à un allié, ça peut être très très fort selon ce qu'on aura, je vais vous montrer. Alors, on va prendre ça, on va faire barrière. Rappel à un allié. Ok, on va prendre les cartes de boost. Voyons voir, masse de la mort. Ça c'est très très fort, ça faut prendre. Un petit détachement, c'est intéressant, on verra. Des rejets, il faut prendre, c'est très fort. Faire challenger aux alliés pour ce round. Lui peut être intéressant. On verra ce qu'il y a. Si vous avez exactement un allié, vous travaillez plus 3 plus 3. Alors ça, ultime. Un pour Demacia, c'est obligé. Les gardes-lame, intéressant. Les ripostes de Fiora. Voyons voir.
Il peut être très intéressant lui pour buffer des cartes. Ça c'est un team boost, c'est toujours bien à prendre. Alors ça, oh, ça c'est ultime, ça c'est ultime, et ça c'est ultime. Allez voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Commémoration, coûte un cristal de moins pour chaque allié mort lors de ce round, avocat d'adepte aléatoire de Demacia coûtant 5. Ok, pas ouf. Ok, là on a 25 cartes, avec des cartes qui sont très utiles. Maintenant on va voir comment on peut aider ces cartes. Du coup, elle, faut clairement qu'on puisse la rappeler. Du coup, on va partir sur rappel. Parce qu'on a un rappel. On peut utiliser ça. Alors, ça vaut cher, hein, par contre, j'avoue. Il y a ça. On va prendre la volonté d'Ionia en deux exemplaires. Ça peut être très utile. Yasuo, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y ait des effets étourdissants. Et tout. Voilà, il n'y a pas d'effet étourdissant dans cette combo. Donc, Yasuo n'est pas utile dans cette combo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va tourner autour de Fiora, qu'on doit protéger. Lorsqu'un allié est protégé par une barrière, octroyez-moi Challenger. Octroyer, ça c'est bien. C'est très bien, ça on va prendre. Lorsque j'ai invoqué conféré, vol de vie. Combat singulier, ça va être très très fort ça. On peut. Putain, j'en ai il y en a combien? Il y en a 3 là. On peut prendre des détachements. Alors, ça j'aime bien par contre. Conféré barrière à un allié pour ce round. Parfait, on a récupéré ça. On va prendre des rejets toujours. Voilà. On prend 3 rejets pour éviter un maximum de se prendre des sorts négatifs dans la gueule. Voyons voir. On peut prendre une marque de la mort de Z. Le problème c'est que. Alors, effet. Voilà, dans éphémère, on a que Z dans le deck. Ça veut dire que si on n'a pas Z, on a combien de Z? On a 2 je crois des Z. Il ou Z? Z, Z, Z. Non, du deck. Ah merde, je vais chercher la carte. Z, il vaut 3. Du coup, il est censé être là. Barrière, solitude, Z, voilà. Z, on en a 2. Mais si on perd nos Z, la marque de la mort devient une carte très inutile. Du coup, ce n'est pas recommandé forcément de le récupérer. Mais elle est bien, la Citria. La Citria de Nimbchamp, c'est une bonne carte. Là, on va estimer ce qu'on a. On a. Combien de. Alors, on n'a pas un graphique. Si, voilà. Voyons voir ce qu'on a en termes de cartes. On a 5 champions, 18 unités et 18 sorts. En général, on va jouer plus d'unités que de sorts, du coup. Là, on a quelques T1, on a beaucoup de T3, quelques T4, et après, ça diminue. On joue beaucoup autour du T3, T4. C'est un deck qui se dirige vers le mid-range. Mais il faut qu'on pense aussi à récupérer des cartes qui peuvent nous être utiles si la combo ne marche pas. Et on va prendre des Empyréens. Je suis good like. On va partir sur quelques insaisissables. Un C. Voilà. Alors ça, c'est très très fort. On va même les compléter notre deck avec ça. Parce que ça vous permet justement de piocher et d'aller chercher les cartes qu'on a besoin. Ok, on va le noter. On va noter. Fiora. Allez. Fiora autoroute. Hop, voilà, le Fiora autoroute. On est parti sur Fiora autoroute avec un Garen. Ce n'est pas du tout. Je ne sais pas comment on change d'image, c'est trop chiant. Alors, du coup, on va maintenant partir en jeu. Et parce que je suis confiant, on va direct partir en classé. Pour vous montrer la création des decks. Ok, on affronte un mec de Ionia Piltover. Et du coup, ça, oui, c'est quelque chose de très très important. Alors, on laisse passer ça. C'est de prendre 2 régions dans vos decks. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Là, par contre, tu vois, c'est un peu pourri. Parce qu'on a que. Regardez, code de maille. Si on pioche Fiora, c'est important de garder une code de maille. Ok, on a un Z. C'est vachement bien en vrai d'avoir Z. Alors, j'avoue que le format. Oh là là. La main est pas ouf, hein. On a pioché seulement nos quelques grosses cartes. Ça, c'est fou. Okay. Tout est plus amusant avec un compagnon. C'est toi qui le dis. Lui, il est blasé de la vie, sur le. Ok, c'est à moi de jouer. Et ce n'est pas à moi de taper, par contre. Ok, on a un rejet. Je peux jouer le Z. Il ne faut pas craindre la voix de l'ombre. Voilà. On va jouer Z en prévision du prochain tour. Et on a un rejet possible. Non, on fait rien. On fait rien. On attend. On voit comment ça va se profiler. Bien sûr, c'est un deck fait à la va-vite, donc forcément il n'y a pas l'avantage. Seul survivent ceux qui le méritent. On aura
dans un deck optimisé, plus un geste, on aurait eu plusieurs Fiora. Et là, c'est pas le cas. Si le boost en PV, je dois le niquer. Il y a rappel unité. Ah, bien joué. Là, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va sauver son unit en la rappelant. Je vais le laisser faire. Le régé est là pour nous aider et on fait quand même des dégâts. Du coup, c'est propre. On est bien. C'est worth pour nous. Il a dépensé des outils pour justement sauver ça, pour limiter la casse. Ce qui est bien à faire, c'est de faire en sorte que ton adversaire ne s'adapte pas à toi, mais s'adapte à sa propre mélancolie. Pas mélancolie, à sa propre agonie. Donc tu prends cher et c'est tout. Voili, voilà, voilou. Bon. Sayerdel est mon partenaire. Ouais, j'avoue que autant le rejouer, hein, vu que t'es là. Ok, on ne fait rien. Bientôt, on va avoir le jugement. Encore une journée au front. Aïe, 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 cette carte, c'est la merde. Bon, on passe. On passe. Je n'ai rien à faire. Et Mina piège, il. Oui. Violence. Aïe, aïe, aïe. Tout aide est la bienvenue. Tout aide est la bienvenue. Waouh, 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 waouh. Invoquer deux alliés d'un coup de 1 de votre deck. What the fuck? Si vous avez exactement un allié, il faut faire plus 3, plus 3. Ouais, vas-y. What the fuck? Je comprends plus rien. C'est chelou. Mais waouh! C'est quoi ce bordel? Parlez, j'y vais en éclaireur. Oh mec. Ah, je suis débile. Ils ne nous verront pas venir. Je suis débile, je pouvais jouer jugement. Non. Ma faute. Je suis mongolisé. Je passe. Oh, y'a un TX. J'avais pas vu, il a un TX. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. Bon, ce qu'on peut faire gratuitement. Je vais pas lancer ceci pour l'instant. Si les combattants frappent plus les ennemis. Ah, je viens décomplaindre. J'ai viens de comprendre qu'en fait je pouvais pas jouer ça tout de suite. Ah merde. Bon là il y a 9. J'ai un rejet mais je peux pas le jouer en même temps. Chiotte. Bon. Un champignon. Sale clébard. Sur le champ. Mais c'était à moi de taper. Mais quoi? Attends. Mais d'accord, c'est lui qui a tapé. Je comprends plus rien. Round 5, round 6. Mais le round il a bugué! Mais non! Ah, c'est infernal! Le jeu il est cassé! Bon, là on est sûr de perdre. Là, hop, où on est? 112 champignons. Bon, on va quitter. Erreur! Ah! Bon, allez, hop, je me casse. Ah, trop chiant. Le round bugué. Le bug. Bon, on fait des cadres en même temps. Ah oui, d'ailleurs, hop, on va aussi faire ça dans les récompenses. Vu qu'on joue un deck de ça, on va aller, voilà, dans cette région. Et hop, on va obtenir des coups de trucs de cette région. Voilà, nous sommes à Demacia. Jouons à Demacia. La Fiora tourne. C'est un peu chiant ça. Par contre, c'est très triste parce qu'il me manque vraiment pas grand chose pour pouvoir vous présenter un nouveau deck. Il me manque 300 trucs. Bon, de toute façon, la prochaine vidéo sera sûrement l'expédition, sauf si j'arrive à faire des matchs. On retentera l'expédition. Ok, là on a un autre Demacia. Ok, on a ça. On a beaucoup trop de sorts, je pense. Je pense qu'on a trop de sorts. On passe notre temps à balancer des sorts. Ok, on a... Oh, pas mal ça. J'aime pas mal. Ok, intéressant, on a le jugement. J'en reviens pas d'être ici. Tu le dis.
En fait, le fait de buffer l'orateur va le rendre vraiment strong. Vous comprendrez bientôt mes méthodes. Si tu le dis. Celui-là, il est vraiment puissant, hein, le... Une vraie bataille. Une vraie bataille. Passer blocage. Voilà, on va passer, on va... Hop, voilà. Bon, le deck, si ça se trouve, dans toute la vidéo, on ne croisera pas Fiora une seule fois de la partie. Ce serait excessivement drôle et excessivement triste. L'Empyrean, j'aime bien le fait de le buff. Ça le rend plus fort. Après, l'orateur est fort aussi. L'orateur est full puissant. Il est puissant. Un sprint pour chaque crabe que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, t'en as vu combien des crabes? Le gosse, il en a marre de sa vie. Et le mec, il fait de la merde. Physique létale. N'importe quoi. Je zappe. Je ne veux pas taper. Je veux jouer mon orateur. Je veux d'abord jouer l'orateur. Ok, il y a un petit rejet qui arrive. Il est beau. Il est propre. Qui lui, il a que 3. Moi, j'ai 4. J'ai toujours 2 coups d'avance. Ah, intéressant là. Intéressant. On a la Fiora qui est posée. Et là, c'est dangereux. Par la puissance de nos convictions. Parce que là, la Fiora est. Je ne ferai aucun cadeau. On va laisser taper. Fiora va taunt un des deux. En garde. Quoi? Je ferai de mon mieux. Attends, pourquoi la barrière? Gardien du ki. Attends. Ah! Salope. Bon, on va jouer quelle ça. Quelle était cette technique déjà? Hop, on va jouer ça. Voilà, bloqué. Intéressant. Bon, au moins, elle ne tue pas en fait. C'est ça qui est intéressant. La seule chose qu'elle fait là, c'est gratter. Croyez fort en ces temps obscurs. Obscur, ouais, j'ai trop de sorts, c'est débile. Bon, voyons voir ce qu'on a là. On n'a rien d'intéressant. On va passer. Il est pas opti hein, ce deck. J'ai créé un deck vraiment pourri. Ah là là, le deck il est pas bien. Bah, surtout qu'il n'y a pas les cartes en fait. Mon ordre récompense ses fidèles. Je pense qu'il y a trop de sorts dans ce deck. Bah, je fais rien toujours. Je n'ai rien. On va garder pour du spell. On va garder pour du spell. Oh, c'est bien ça. Le sergent du détachement, le pour Demacia, qui est fumé. Pour Demacia! Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu lui donnes des. J'ai même pas le droit de rejeter ça? C'est pas gentil ça. La nuit tombe. Combat singulier. J'ai pas envie ça. Ça tu vois, j'ai pas envie qu'ils le prennent. Tu dégages. Passer blocage. J'ai vraiment pas envie qu'il fasse ça. Voilà. Là tu vois, lui il pose sa fiente. Alors. Et il a fait la même chose que moi d'ailleurs. Soldat, avec moi. Il a mis un il a placé le chêne dedans. Que chaîne Fiora, c'est full fort. Alors, si j'ai un allié seul, c'est faux. Et je n'ai pas d'allié tout seul. Du coup, ce que je peux faire, c'est placer tout le monde en attaque. Et faire un tour de la volonté de Demacia. Et je fais un jugement. Parce que là, je peux me débarrasser de la Fiora. Le Fiora qui est le cœur de son deck. Et précision. Et donc, voilà. Barrière. Frappez sans inquiétude. Je peux pas le rejeter. Putain, je peux pas rejeter cette merde. C'est chaud. Tous les ennemis au combat. Tu ne m'échapperas pas. Ok, ok. On va partir pour se débarrasser de cette merde. Je vais laisser un allié. Vas-y. Frappe tout le monde. Hop. Oui. Du coup, ça va me permettre de me débarrasser de l'insaisissable et de la Fiora. À moins qu'il ait rejeté. Maîtrise. Et merde. Il bon, au moins il en a plus. Aïe aïe aïe. Au moins il n'en a plus, mais moi je suis dans la merde. Ok, prochain tour j'ai mon Empyrean. Qui du coup aurait dû être buff à la place de l'orateur de merde. Bon. Bon, c'est pas mal ça. Ouais, sauf que j'ai toujours pas les unités. C'est super chiant. Je vous protège. Voilà, elle le joue bien, son deck.
Il est beaucoup mieux organisé que le mien. C'est quoi ce pitou? C'est quoi pour ce round? Ah, c'est tout le temps. Ah, c'est de la merde. C'est trop chiant. Bah, casse-couille. Si Fiora pouvait me voir en ce moment. Elle peut, et elle n'est pas impressionnée. Déception. Parade, riposte, pas très équitable. Oh là là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Et je te bloque. Est-ce que c'est la merde? Mon heure est venue. Et de deux. Ok, c'est ce qu'il est. La sagesse. Continuez. Intéressant. Tac, je vais passer. Je vais me boost totalement. Totalement me boost. Oh, ça c'est intéressant. Voilà. Et regarde ce que je vais faire. Je vais me débarrasser de la Fiora. Parce que pour l'instant, elle a 9 et 2. Mais je sais pas si. Bon, on va faire des tests. Hein. On apprend le jeu. Voilà, la Fiora est là-bas. Et est-ce que. Oui, parfait! La Fiora qui se fait rappeler. Gardez vos paroles, ce sont nos lames qui partent. Elle doit tout recommencer. Et ça, c'est parfait. Voyons voir. Pour Demacia. Un soldat de Demacia vaut bien 10 ennemis. Ça, c'est chiant par contre. Ça, c'est la merde. Parce que là, il peut clairement venir et faire coucou, c'est moi. Je vais garder ça en dernier recours. S'il le bloque avec ça, c'est bon. Mais s'il la tape avec Fiora, c'est la merde. Ok, rappel unit, ça c'est cool. Ok, j'ai un sort rapide et un instantané, ça fait plaisir. Et j'ai un rejet s'il faut. Les meilleures épées pour madame. Une seule me suffit pour vaincre. Ok, tu dégages. Allez, salut. Du balai. En vrai, je suis con. Ouais, ils pour tomberont ça. Sous ma lame. Je suis con juste pour cette raison là. J'aurais dû attendre. Je suis débile. Mon gros litard. Au combat. Et là il veut jouer son détachement mon gars. Ah bah non, même pas. Il joue même pas le pour des Massia. Il fait quoi là? Est-ce qu'il peut pas me tuer? Réparation. Si, il veut me prendre. Du coup je vais m'octroyer robustesse. Bah en soi ça me va, il me met deux en moins. Pouek. Ça pique, hein. ça pique. Hop. Voilà. Je pense qu'on devra partir sur une modification. Oh joli, joli. En vrai là je tape, j'ai gagné. Hein. Immédiat ou attaque, ferré barrière à tous les alliés. Et là j'ai un rejet s'il fait un sort. Du coup là j'ai gagné. Hop. Et même pas grâce à Fiora, je vous l'avais dit. Ah là là. Bon là on voit les choses les plus efficaces du deck, du coup après on ira les modifier. Voilà. Bon, on n'a pas les cartes qu'il faut pour être efficace là-dessus. Ouais, parfait. Ouais, les récompenses à l'infini. Ok, hop. Collection, Joker, on récupère. Le Joker est à nous. Il est où Batman? Il est où? Il est pas là. Non, je dis de la merde. Capsule de région, Challenger. Oh, Tiana, Crowguard. Oh, je suis invoqué, ralliez-vous. Pas mal. C'est une bonne carte. Et coffre de bronze. C'est-à-dire pas grand chose. Wake! Faites fuir du détachement lorsque vous invoquez une unité, réduisez le coût de 1. Ok, mobilisation, réduisez le coût des alliés en main de 1. Et des fragments. Oh putain, c'est bien ça. Je suis heureux là, fragment. On va changer de région et aller à Ionia. Et on va partir sur une modification de deck. C'est-à-dire, hop, fuir autoroute, modifier le deck. On va partir sur des cartes. On ne va pas choisir tac, impossible d'ajouter, non je veux, voilà. On va partir sur Ionia principalement et on va faire rappel et étourdir. Rappel, ok rappel il n'y a que ça et étourdir,
et tour. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas grand-chose et que je ne peux pas jouer autour de ça. Un C. Et je n'ai pas grand-chose non plus en A6. C'est la merde. Ah, mais du coup, ça me file tout. Attends, et tour. Et tour. Ah, bah là, il y en a des étourdis récemment. Bah oui, il y a ça, je suis con. Il y a beaucoup de Noxus qui me permettent d'étourdir. Et en rappel, qu'est-ce que j'ai? Rappel. J'ai du Noxien et du Ionien. Ces essais auront rappelé 6 unités ou plus. On peut partir sur ça. On va tenter autre chose. On va virer tout. Tac, 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 tac. Je pourrais tout simplement supprimer le deck, mais hop. On va partir. Ah oui, ça va, il y a Z. Bon, j'aurais dû le garder. Hop. Voilà, hop. Alors on va partir sur un deck insaisissable rappel. Où sont les cartes insaisissables? Un C. Il y a Ionia. Il y a quoi? La puissance totale de vos tourelles à invoquer est égale. Lorsque vous lancez un sort, créez une tourelle fugace au même coup dans votre main. Je sais pas pourquoi il est là, lui. Ok, Ionia. T'as Demacia qui confère insaisissable à un allié pour ce round. C'est pas ouf. T'as Ionia. Ok, on a principalement des Ionia. Donc on va récupérer. Voilà, tac, tac, tac. Et les empyriens. Ok, on part là-dessus. Du coup, on a Ionia déjà. Hop. Ah oui, mais je vois pas, juste prendre ça. On va partir sur un Yasuo de Ionia. Parce qu'il est très fort. Et tour. Mais j'ai pas un truc qui file rappel. Rappel. Je sais pas. Alors, quand je suis invoqué, octroyez-moi plus un pour chaque initié. Vous avez étourdi ou rappelé dans cette partie. Ça, c'est très fort. Du coup, maintenant, on est parti sur du Noxus Ionia. Voilà, hop. On est là. On va prendre 2 Z parce que ça reste une unité très très forte. Alors, hop, on va jarter le reste. Alors, on va rester dans le rappel déjà. On veut prendre du contrôle. Est-ce qu'un rappel de nos unités est utile avec ça? Bien sûr. Un rappel, c'est très fort. On va prendre celui-là, le général de la Légion. On va prendre des cartes étourdissantes. Et tour. Étourdissez un ennemi qui fait +2/+2 à tous les alliés pour ce round. Très très fort. Ok, on va prendre l'arachnoïde. Très très forte comme carte. Étourdissez tous les ennemis avec une puissance de 4 ou moins. Intéressant. Ça peut être une très bonne combo ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'unités qui sont pas plus hautes que ça. Ça peut être intéressant. Je vais prendre cette carte. Pour l'instant, on a quoi? Ok, s'il sort des unités. D'accord, maintenant on jarte. On va prendre quoi? Intéressant. Maintenant, c'est là à nous de voir qu'est-ce qu'on va combler. Comme je dis, il faut combler. On a des trucs comme ça. Ok, on peut peut-être jouer araignée, mais je ne pense pas. La marque de mort, c'est pourri. On va prendre des rejets. C'est fort. Alors j'avoue que le casse-cou Trifarian, je le prends direct parce qu'il est surpuissant. On va prendre ça. On va prendre des maîtrises jumelles. Estimation, ok. Le coup de vos sens instantanés est réduit de 1, ah, c'est pas ouf. Captain de Farron, je ne prends pas cette carte, elle est trop busy pour moi. Si vous avez un allié d'une puissance de 5 ou plus, tuez toutes les unités avec 4 ou moins. Ok, mais faut avoir quelque chose du coup. Pour moi, ce n'est pas ouf non plus. Pour moi, cette carte est forte. Celle-là, elle est forte. Ça peut être très fort pour buffer quelqu'un. Ça, c'est fort. C'est vraiment fort pour te sauver des cartes. Abattage. Tuer une unité dotée d'une puissance de 3 ou moins. Ok, ça, c'est juste. C'est un kill gratos. Vraiment. On va prendre un Darius. On va accéder à 2. Hop, on se met fou le champion. Les champions, c'est la vie, mettez-en le plus que vous pouvez. Ok, on a le mentor qui peut nous aider. Qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'unités. On a 30 unités pour 10. Ah oui, non, mais les champions, ça va pas. Les liens. Ok. Du coup, on a 30 cartes à jouer sur le terrain et 10 sorts. Ça fait un ratio de pioche assez propre, je trouve. L'orateur. Support, vol de vie. Lorsque j'ai invoqué, créé ça. Petit grenadier. Frappe rapide à l'allié que je soutiens. J'avoue que cette carte est très très forte.
partir sur une petite surpuissance. La guillotine noxienne qui peut être très bien. Le saurien qui est très propre aussi comme carte. Et on va prendre le façonneur qui va nous permettre de piocher. Pas ça, non, pas la harde, on s'en fout. Tac tac. Là on n'a pas toutes les cartes, hein, c'est fou. Et on va combler avec ça. Ok. On est parti du coup sur un deck Noxus Ionia. Voilà, terminé. Sauvegarder. Récompense. Ok. Donne-moi des jokers, ça fait plaisir. Et on va partir de ce fait. Changer de région. On part à Ionia. Noxus Ionia. Okay. Oh, rapidement le coffre. Ça fait plaisir. On en est où de la vidéo? La vidéo a 30 minutes. On va pouvoir faire un second test. Voir si ce deck est fort. Noxus Ionia. Hop. Et on est parti. Si vous manquez une action, vous pouvez consulter l'historique des actions. Parfait. Ça fait plaisir ça. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai plusieurs vidéos pour plusieurs joueurs avec ça. Oh. Fouel for Atrid. Pacopalus. Bon, en tout cas, on a des cartes. Ok, regarde. Là, ça commence. Là, on est bien. Quand vous invoquez un allié, conférez-moi plus 1 pour ce round. Et là, on a lui pour ce round-ci. On va enlever la volonté d'Ionia, qui n'est pas utile pour l'instant. Et on récupère le général. J'avoue, c'est pas ouf. J'avoue, c'est pas ouf. Récupérer le général maintenant, c'est pas ouf du tout. Ah, ça, c'est propre. On va jouer ça. Ils ne verront rien venir. C'est juste là où si lui joue quelque chose. Bon, il joue rien. Ok, du coup, on va jouer notre duo. Ah, bah, on récupère la carte. Tout est plus amusant avec un compagnon. C'est toi qui le dis. C'est trop drôle cette carte. Et attention aux branches à gauche, quand c'est toi qui me porteras sur tes épaules, tu verras où tu voudras bouler le poil. Attends, laisse-moi faire. J'avoue, c'est à moi de taper. On y va. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Tac. Oh, la guetteuse. C'est bien ça. Les guetteuses sont fortes. Mon ordre récompense ses fidèles. J'ai clairement envie de juste jouer ça. Accroche-toi, boule de poil. Hey. Voilà, fin de... Il tape pas? Pourquoi il tape pas? Il a peur que je le bloque? Erreur monumentale. Voilà, hop. La guetteuse qui nous met bien. Qui va te mettre mal. Parce que là, du coup, je vais me mettre au calme. Yasuo qui se fait hop également. Silencieux comme la mort. L'assassin de l'eau. Ok. Je peux tranquillement aller taper. Et là, il va forcément devoir bloquer une des quatre. Mais dans tous les cas, c'est totalement worse pour moi. Je pense qu'il va bloquer une des trois. Hein. Tu ne m'échapperas pas. Il bloque la 3-2 ? Bon, ok. Pourquoi pas ? Ça ne me gêne pas les incisables à sortir. Et là, ça pique. Clairement, ça fait mal. Bon, pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une unité. Du coup, le général est devenu worse. Dans le sens où ça devient une 5-5. C'est propre. Ah, il me dit en plus, avec le petit 1. C'est parfait, ça. Alors là, par contre, il peut devenir violent avec le protecteur précieux. Ionia s'exprime à travers moi. Ça, c'est dangereux, tu vois. On va jouer le protecteur précieux. Vas-y, dans le général. On va le mettre bien, notre général. Voyons voir ce qui se passe. Là, j'ai pas rien à jouer. J'ai pas envie de bloquer. Dans ce cas, j'aurais pas bloqué. Alors ça, c'est dangereux. Créer un sort aléatoire de votre main. Alors déjà, on sait pas si c'est... comme dans Hearthstone ou si c'est autre chose. C'est je précise ma pensée dans le sens où dans Hearthstone et tout, quand c'est créer un sort de votre classe. Là, on sait pas si c'est un sort du coup des deux régions qui utilisent, c'est-à-dire la Ionia Demacia par la force de l'esprit ou si il va tout simplement mais j'ai gagné en fait. Attends, là il joue quoi là? Oh, jugement, casse-toi. Allez, dégage. Pour moi, tu vas pas taper. Là, j'ai toujours pas gagné. Attends, j'ai peut-être gagné en vrai. Attends, j'ai peut-être gagné. Là, je peux y mettre 3. 3 et 4, non, je suis à 7.
J'ai pas encore gagné. Je n'ai pas encore gagné. Et voilà. Et le tigre du coup ne tape pas. Ça c'est sûr. Hop là, on termine tout. Et là tu vois, là les généraux avec juste deux rappels, ils sont juste un homme en worse. C'est quoi ça? C'est quoi cette popote? Trouvez-moi un adversaire de valeur. Ah c'est à lui de jouer. Quand vous utilisez que vous rappelez une unité, je lui inflige 2 points de dégâts. Ok. Mais là j'ai envie de jouer mon général. Le monde attend, implorant notre domination. Regarde ton général, c'est une 9-9. Il est craqué. Bon, je l'ai buffé avant, mais... Pour l'honneur de la maison Laurent. Laurent. Je suis Laurent. Ou tant. Lol. Je sais pas trop ce que tu vas faire, mais c'est la merde. Pour l'instant, le deck, il s'est démontré utile. Tu te joues à un truc genre barrière? Après vous. C'est pas gentil, ça, dis-moi. Bon, bah, je... Bon, j'avoue, j'admets la mort, là. J'admets la mort. Je peux jouer. Merci. J'ai envie de taper. J'ai envie de vous taper. Allez. Essayez de m'attraper. Gros. Mon général violent, il est 9-9. Qu'est-ce que tu vas foutre? Si tu veux. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, tu joues combien de spells? Ah, à mes souhaits. Urge. Ok, il utilise tous ses rappels. Moi, il passe son tour à ça. Et moi, je vais te mettre la déception. Oh, oh mec, attends, je peux être Jésus. Là. Je peux le garder en vie et tuer la Fiora si je veux. Ou alors, je peux juste gagner. En fait, ouais, je peux juste gagner. Hop, voilà. Regarde, c'est rigolo. Le petit Yordle, 8-1. Il est joli, mon Yordle. Et salut. Le Yordle. Et ouais, mon pote, il est là. Bon, déjà, ce deck s'est montré efficace pour l'instant. A voir si ça va être avec surpuissance. C'est le Yordle qui fait tout ça. Gagne des récompenses. D'ailleurs, ça c'est très pratique hein, aussi pour avancer dans le jeu. Récupérer des récompenses. Hein. Allez chercher des chests. Hein. Faites-vous des fragments, créez les cartes que vous voulez. Hein. Mettez-vous bien, les gens. Hop. On va faire un deuxième match. Voir si le deck vaut ce son pesant. En plus, on a le temps, c'est propre. Les unités insaisissables sont furtives, ne peuvent être bloquées que par d'autres unités insaisissables. C'est-à-dire que c'est fumé. Alors ce deck là est clairement un deck de contrôle. Bon pour l'instant je n'ai que très peu utilisé la partie Noxus. Ah non je dis de la merde en fait. Oh salut général. Allez barre-toi. Je vais garder cette main. Dans le sens où je peux rappeler la guetteuse. Et du coup je me mets bien. Par contre c'est à moi de taper. Et j'ai pas ce qu'il faut. Oh madame Piagile. Ouh Mina. Mina Piagile qui te casse la bouche. Oh. Vous croyez rapide, c'est mignon. Mais ça fait partie des cartes que je pense. Quand vous étiez aussi, vous rappelez une unité, vous croyez moi plus de. Ok. Ça fait partie des unités que je pense, moi, peuvent être un champion. Ou peuvent être un teasing de champion. Regarde-moi ce Yordle. T'as un Yordle avec plusieurs queues, avec une coupe vraiment stylée. Pourquoi il m'étourdit? C'est quoi qui m'étourdit? Ah, étourdit, c'est un ennemi. Oh putain, je vais prendre cher. Je prends. Non, je suis pas là. C'est ici. Yeah. Oh, vous me trouvez mignonne, dufteuse, et là je suis toujours aussi adorable. Mais moi je pense que cette carte peut être un champion de League of Legends. T'as un Yordle avec un sabre. T'as jamais vu ça. En plus, t'as un Arthog qui se bat contre Z. Je trouve ça full stylé. Essayez de suivre. Moi je veux que ce Yordle soit dans le jeu. Riot Games, si vous m'entendez, faites que ce Yordle soit dans le jeu. Yordle Tourbillon. Faites-en un champion. Il est beaucoup trop stylé. Bon, c'est Yordle Tourbillon, il n'a pas de nom. Par exemple, les cartes comme Racha, là, je dis pas. Là, c'est stylé. C'est quand vous. Ouais, c'est quand vous. Ok, du coup, je joue.
je fais ça en vrai. Hop. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, hop. Allez, donne-moi la suite. Wesh. Mon Yasuo est évolué. Aya. That evolutions. Je suis la lame dans l'ombre. J'avoue, j'aime pas. Ils ne nous verront pas venir. Bloque avec ton Z, ça me fait plaisir. Tu vas me faire tuer. Oh, heureusement, il est parti. Ah non. Pouek. Ah, les deux, c'est des frappes rapides en plus. Aïe aïe aïe. Seuls survivent ceux qui le méritent. Ok, alors, voyons voir ce qu'on fait. Je vais jouer ce qui s'appelle une aventure. Dans le mode. Laisse-moi jouer ça. Voilà. Laisse-moi tanker. Ça va, c'est une araignée, l'image c'est un aristo. Fais pas chier. L'image de la carte dirait un aristo. Et ça, il va le buffer en attaque, je chiale. Rappelle l'unité. Oh, le mec s'en débarrasse. Bon, il va devoir l'enjouer. Je vous déconseille de me sous-estimer. Aïe aïe aïe, le Yordle est fumé et ça fait très très mal. Accroche-toi, boule de poil. Hé, respecte-moi. Si tu le dis, je suis dans la merde. Aïe aïe, il a très bien joué, vachement fort hein, le Yordle Tourbillon. J'aimerais beaucoup l'avoir, mais je l'ai pas. Donc c'est mort. Dommage. Silencieux comme la mort. Qu'est-ce que tu me donnes? Aïe aïe aïe. Ça ne marche plus avec ça. Par contre, c'est fumé prochain tour. Ok. Il étourdit forcément un de mes insaisissables. Non, je m'en fous en vrai. Hop. Pour moi, ça s'appelle une attaque. Parce que la seule que lui peut bloquer, ça meurt. Du coup, il ne va pas bloquer. Il peut bloquer éventuellement. Voilà. Avec ça et ça. D'accord. J'avoue que j'aurais dû faire autre chose. J'aurais pas dû, je suis débile, reviens en arrière. Là j'ai envie de rappeler. Là j'ai vraiment envie de rappeler. Bon, en vrai ça va, j'ai encore des cartes. Vers les ténèbres. Bon, dommage. Prochain tour, il joue. Normalement, il joue Z et je joue ça. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette carte du futur? Sans un bruit. C'était totalement obligé. En plus, c'est que étourdir, hein. Genre, je m'en débarrasse même pas. Mais c'est la merde. J'aurais dû rappeler. Le Ionia, Roger. Si c'est Roger, je fais Roger. Ah, Roger. Et bah, moi, je rejette ton Roger. Allez, retourne étudier. Mais. Rentre chez ta mère. Allez, hop. Je rejette ton rejet et toi t'es stun. Tu bouges pas. Vous n'êtes pas assez rapide. Vous n'êtes pas assez rapide et je suis dans la merde. Tu vas où comme ça? Je sais pas. Mais je sais que c'est la merde. Aïe. Je passe. Faut que je tempo. Faut que je tempo jusqu'à T9. Parce que T9, j'ai Mina et T9 c'est fumé. Bon. J'ai aussi ça qui arrive. Restez à l'abri. Je m'occupe de tout. Ok, il a un rappel de Z. C'est notre chance. Regarde, c'est la merde. Je crois que je suis à 8 là, non? Ouais, 7. Dis-moi que je suis à 8, comme ça, prochain tour, j'ai Mina. Eh merde! Ouh! Ouh! C'est bon ça. Je vais m'en occuper moi-même. C'est bon ça. Là, j'ai un Darius qui va se mettre bien. On a peur de montrer sa face. Si j'étais toi, je me préoccuperais de sauver la mienne. Tiens, débarque. Normalement, il bloque avec la 3-2 et ça ne passe pas. Tu appelles ça être furtif. Voilà. Il me stun. Ah, son deck est terminé. Ah, oh, c'est bien. Aïe aïe aïe, tra la puissance. Ce Yordle, incroyable, il a tenu vachement longtemps. Tac.
Je suis obligé de tanker le Yordle. Tellement. Obligé. Il n'y a pas d'autre mot, je suis obligé. Ne vous refusez pas à moi. Je crois qu'on a compris ce que je vais faire. Je crois qu'on a compris ce que je vais faire. Le combat ne sera pas équitable. Non, jure. Allez, salut. Si j'arrive à gagner grâce à Mine, aïe, j'ai mal. Ça file. Embrassez les ténèbres. Aïe, vous. Dégage de là. Bon, j'ai rien, pire. Autant le jouer, hein. Comme ça, si lui joue des créas, je peux les dégager avec Mina. Joue une créa, comme ça je m'en débarrasse aussi. Ils s'agenouilleront tous devant Noxus. Le général, il est là, le beau général. Comment tu vas, général? Attends. No joke. Est-ce que là, je veux plutôt garder? En vrai, ouais, je veux garder. Hein. Je veux garder, en vrai. Attends, je suis pas sûr. Si je joue prochain tour G9, je joue juste Mina, je garde le truc à 1. Je ne peux rien faire d'autre. Après prochain tour, du coup, j'ai 10. Je peux instant. Ouais, non, je peux juste le jouer en fait. Y'a pas de problème. Ils ne verront rien venir. Ils ne verront rien venir. En tout cas, je sais ce que je vais faire. Allez, hop, fin de tour. Et c'est là qu'il me balance rejet. Eh merde! Yeah! Les pieds servent à marcher et à frapper. Ouais, frappe céleste! Et là, rejet, je chiale! Allez, balance-moi ton rejet, on sait tous que t'en as un. Sortez dans vos parapluies, les coups vont pleuvoir! C'est drôle. Pec! 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 Allez, tout dans la bouche. Le monde attend, implorant notre domination. Implorant notre domination, si tu le dis. Allez, moi je tape avec ça. L'Empire. Je tape. Je vais pas mettre ça, il va la buter. Ya. Tendu, hein. Sans un bruit. C'est tendu. En vrai, il faut que je puisse tout bloquer un prochain tour. C'est chaud. On va rester comme ça. Là, il a 3 unités sur le bord. Le giga général, Z et son nom. Et là, c'est à savoir s'il tape direct ou s'il veut invoquer. S'il invoque, je peux faire rappel et la mettre. Ne vous fiez pas à mon apparence. Normalement, je peux faire ça. Normalement, d'après ce que j'ai compris, je peux faire ça. Dis-moi que ça marche. Dis-moi que Mina, c'est Jésus. Jésus. Dis-moi que je peux l'invoquer. Non. Non. Trahison. Damnation. Bon, j'ai perdu. Eh merde. J'étais à ça. Mina, je suis déçu. J'aurais dû la rappeler avant du coup. Je suis déception. Je suis triste. Je suis déçu. J'ai mal à mon âme. Voilà. Bon, allez, on a fait 2 matchs avec. On fait la belle. La belle, si je gagne celle-ci, j'ai tout gagné. Et vous vous abonnez. Et tu me files 50 balles. Parce que j'ai besoin d'acheter une caméra. Pour que tu vois ma gueule. Le symbole au bas des cartes indique leur rareté. Un triangle vert pour commune, un losange bleu pour rare et un pentagone violet pour épique. Et c'est quoi légendaire? Ah, c'est quoi légendaire? Et Karim et Elise. Oh, Ionia Hills Obscure avec un focus sur les îles obscures. Oh, le mec, j'ai un fond à silver. Alors, je suis bronze, c'est vraiment la merde. Oh, Yaz. Vas-y, tout de suite. Quand vous étoyez, hop. J'ai Yasuo qui est là, il est posé. Oh, frappe rapide de violence. C'est très fort. Frappe rapide, c'est excessivement fort. Ah oui, il a déjà frappe rapide, Yasuo, c'est fort. Putain, il est fort. Le mec se rend compte juste maintenant que sa carte est puissante. Oh, lulululu. Oh, le casse-cou. Oh, le casse-cou Trifarion. Oh, il est là pour casser des mers.
Je tape avec ça. Salut le ronchon. Je suis pas ronchon, je me repose. Et génial ce Rundle. Mettez ces trucs dans le jeu. Mettez ça dans LOL. Dès qu'il y a un champion, une carte de LOR qui arrive dans LOL, ça va partir en couille. J'attends avec impatience de voir ça. Et je suis sûr que ça va arriver. Ah, sale. Ça fait chier. Ah, je suis. Mais merde! Tu casses les couilles! Oh, je mets mon Trifarian. Ya! J'invoque le Trifarian. 5-4 pour 3, c'est pété! Le fait de les empêcher de bloquer, ils ont craqué sur les stats. Hein. Mais vraiment, pour 3, t'as une 5-4. Juste, tu peux pas bloquer avec. Mais t'as plein d'autres cartes pour bloquer. Du coup, la carte est pétée. Regarde. Darius, il a quasiment des stats équivalentes alors qu'il vaut 3 de plus. Il a des meilleurs stats que Yasuo alors qu'il vaut 1 de moins. Ah, oh, ça part en couille. Il fait quoi, lui? Il joue. Je dois terminer ma vidéo. Grouille ta mère. Shit, 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 grouille. Je vais manger ta famille. Je vais manger ta famille. Je pense du coup, parce que j'ai toujours pas trouvé Zamazenta, la vidéo Pokémon ce sera pour plus tard hein. Là je vais faire j'ai beaucoup de vidéos à faire sur le jeu là. Chels 10. Allez, on est parti. Casse-cou Trifarian, bam. Redoutable. Je peux pas bloquer dans tous les cas. Qu'est-ce que tu vas faire avec deux sous quoi toi? Oh, aperçu de l'au-delà. L'au-delà. Oh, pioche. Bon, il est temps pour moi de me mettre bien. Je passe. Par contre, le problème avec les îles obscures, c'est qu'il a la fameuse lance de merde. Le but d'une feuille est-il seulement de tomber? Je sais pas, tu me dis. Eh, hey, nous sommes dangereux. J'ai souhait masqué. J'ai une grosse chaîne. Je sais pas ce que je fous là. La mort est comme le vent, toujours à mes côtés. Oh, vous êtes dans la merde, les mecs. Fallait emmerder quelqu'un d'autre. Pigeon. Il fait chier, il joue le timer ou quoi? J'ai pas que ça à foutre. Bah, vas-y, joue ça. Comment dire que je m'en balance? Certaines choses ne m'ennuient jamais. Parce que là, tu vas prendre cher. Sauf si tu bloques. Mais tu perds ton board si tu bloques. Par contre, moi je parle mon Yaz si je bloque. Ok. Je pense qu'il a la lance. La lance, elle vaut combien? Elle vaut 2 ou 3 déjà? J'ai oublié. Je crois qu'elle vaut 2. Je crois qu'il peut jouer la lance alors. La lance est 2. Bah oui, il y a un allié qui doit crever. Elle vaut forcément 2. Si elle valait 3, elle serait nulle la carte. Il c'est moi qui tire les ficelles. Ok. Sokka. T'es au courant que je peux te bloquer avec Yasuo si je veux? Oh, général. Bonjour, général. J'ai stun 0 mec depuis les béliers. Super. Fun. Ouais, ouais, ouais. T'as 5, hein. Je pense pas que ce... Ah si, c'est largement suffisant pour invoquer des araignées. Eh merde. Et moi, à part général ou ce truc-là, j'ai pas grand-chose à jouer. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, la main. J'ai deux Darius, j'ai Empyrean, mais je peux pas jouer tout de suite. C'est ça qui est chiant, je peux pas tout de suite jouer. Tout de suite jouer, jouer tout de suite, ouais, tu vois ce que je veux dire. Lol. Bon, en vrai, j'ai déjà ça et ça à jouer ce tour-ci, s'il faut. Le mec, il joue vraiment timer, hein, t'es vraiment une pute. Spectre de l'eau. Ok. Je joue ça. Le monde nous attend. En avant. En avant. Battez-vous. Ah merde. Ah merde. C'est chiant ça. Bon bah je passe. Hein. Moi je peux toujours toquer blow. Hein. Ouais, ça me va. Le seul truc c'est que là vraiment. Ne serions pas contre une petite bouchée. On va pas se mytho. Il faut défendre. On va pas se mytho. C'est moi qui décide de ma destinée. Si tu veux. Allez, donne-moi ça. Tu peux toujours essayer. C'est mieux. Je me débarrasse genre du héros. Ça passe, c'est cool ça. Si
Ouais. Ça fait mal. Bon, allez, je récupère mes stats. Merci. Bon. Ça serait bien un truc qui tourne là. Oh, sans rien, c'est mignon. Hop. Vous venez voir le bain de sang, monsieur? Je viens gagner la guerre, soldat. Garde à vous. Stylé. J'aime beaucoup le casse-cou Trifarian. Vous venez assister. Venez assister au combat, monsieur. Je viens gagner la guerre, soldat. Garde à vous. Allez, c'est quoi ce bordel? Gémissement. Non! Mika! Tu vas mourir! Parce que tu m'as fait chier. Ou la mort selon le fil de mon épée. Ouais. J'ai quand même deux héros, hein. Enfin deux champions sur le board. Je sais pas ce que tu vas faire, mais c'est la merde! J'ai une décimation aussi à jouer, ça me va. J'ai stun que dalle, elles sont où mes cartes de stun? Mina! Mina, t'es où? Reviens, Jésus! Moi je considère toujours que Mina c'est Jésus. Ça te vient, t'es full fumée. Et mes araignées qui stun aussi, elles sont où? Y'a Zed aussi dans mon deck, il est où? Le mec il me demande. Il fait chier, il joue le timer! J'ai envie de le taper, Chelsea 10 là, c'est. C'est quoi, c'est le Chelsea du pauvre? Je vais manger ton âme, tu vas voir. Ok. Tiens, bouge. Les barres. Pas drôle. J'ai un empyrien joué. Un empyrien qui me met bien. Eh, c'est pas mal le jeu de mots là. Un empyrien qui me met bien. Oh, délicieux. Il y a aussi mon précieux là. Ah, c'est lui, ça a vite tapé. J'ai pas envie de bloquer. J'ai pas envie de bloquer, mais en même temps, il faut que je bloque. Du coup, je vais bloquer une fois. Sauve-toi, minable. Je veux garder Yaz. Et de toute façon, j'ai un deuxième Darius, alors. Me permettre de bloquer. Je peux me permettre de kiblo. J'ai pas beaucoup envie, je voulais pas me retrouver à 3 tout de suite. Je joue empyrien. Genre direct, hein, c'est. Il est là, hein, il est là pour ça. Oh non, oh non, 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 pas rachat. Ah, rachat, merde. Merde, il m'a niqué. Il me l'a mise à l'envers, ce bâtard. Bon, c'est la merde. Je fais quoi? Darius. Je vais m'en occuper moi-même. En vrai, je suis débile, j'aurais dû claquer d'autres units sur le banc. Celui, il va jouer plein d'units, je suis sûr. C'est à moi de taper quand même. Les ténèbres m'appellent. Oh yeah, il pioche en plus, je suis débile. Ah oh, tiens, je peux jouer ça. Ah ouais, viens te battre. T'as que rachat pour bloquer de toute façon. Soit tu bloques avec rachat, soit tu prends cher. Décide-toi. J'ai vraiment eu zéro stun, c'est incroyable. Depuis le temps que j'ai Yaz, ils m'ont été vachement utiles, les stuns. Je suis tellement triste. La tristitude. En vrai, le deck... Je l'ai fait à l'arrache, hein, le deck, mais il est bien. Tu passes à 10. J'ai un Darius. Il me reste un Darius dans mon deck. Il est où Darius? Darius niveau 1, Darius niveau 2. Et là, t'as les champions, ils vont passer niveau 14. J'ai plus de Yaz et j'ai un Z. Carte restante, 28. Ok. Je peux voir le deck de l'autre? Oh, c'est bien ça. Putain, il avait Karim, j'avoue. C'est la merde ça. C'est quoi ça? Un aperçu de l'eau de l'homme. Il kill une de ses cartes pour en piocher d'autres. En vrai, il peut se mettre bien. Hein. S'il pioche des trucs à poser, il va voir si t'as. Ouais. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par la suite, hein. J'ai vraiment rien à mon Nexus. Aïe aïe aïe! J'ai besoin d'abonnés! Donnez-moi votre argent, il faut que je gagne! Ok, là c'est la merde, hein, parce que là il a 5. Il a 5. Ok, c'est à lui de jouer. Je me retrouve full sur les spells, mais. Oh, c'est godlike ça! Ça c'est godlike! Joue une carte! Joue une carte! Joue une carte! La nuit tombe.
chier. Il a pas joué. Bah moi je joue. Hop là. Silencieux comme la mort. Assassin. Je joue. Ah bah un rappel. Super. La PDDR. Bon en vrai je peux la rappeler pour la rejouer hein. L'ombre approche. Tous y avec 4 mois. C'est bon ça marche. Ça marche toujours. Le souriant. Je vais prendre le gros. Hein. J'ai besoin de gros souriant. De toute façon, ça va être un mode joué après. Alors, je vais rappeler. Ah, attends, j'ai failli faire une course là. Elle vaut 3. Ah, si, ça va. Attends, ça vaut 6, ça compte, ça vaut 2 gemmes. Du coup, j'aurai 2 gemmes au prochain tour et 10. C'est bon. Ça me va. Et en plus, lui va pouvoir être buffé. Et Karim est à 4, à 3 et à 2. Ces trucs-là, prochain tour, je les stun. Donc, si je les stun, ils peuvent pas bloquer. Ça veut dire que ça me laisse une chance de gagner. Et là, pour l'instant... Ah non, le jeu ! Non ! Me fais pas ça ! Ça fait trop longtemps que tu vas pas crash ou bugger. Ah ! Ramène-moi ! Sur le point de gagner ! Avec un PV ! Fais-moi gagner ! Oui, joue. Pourquoi c'est... J'ai fait ok, mais... Ça joue quoi, là? Il se passe quoi, là, en fait? Je comprends pas. Mais j'ai dit ok! Pourquoi il joue pas? Il a bugué? Oh merde, c'est chiant, ça. Bon, ça casse les couilles. Ok. J'ai pas compris, ça a bugué. J'avoue que ouais, pour chaque vie que vous avez étourdi ou rappelé dans cette partie. Pour l'instant, 0. Là, ça va être une... Voilà. Yazoo, il se fait up, mais il est mort. Il est mort. Trop drôle. Ah tiens, t'as les conditions de... Up, c'est drôle ça. Mais pourquoi je peux pas? Mais je suis bugué. Mais je suis bugué. Mais non. Oh, fais chier. Oh là là, c'est la merde. Terrible désillusion. Terrible déception. De la part du jeu. Je peux rien faire en fait. Oh non, oh le jeu il m'a insulté. C'est fou. Ça se fait pas. Ça se fait tellement pas. Bon. Super. On a gagné mais on a perdu. Incroyable. Incroyable, on a gagné mais on perd. Je suis déçu. Je suis déçu. Ah là là, ça fait mal. Je peux rien faire, je peux jouer aucune carte. Je suis beaucoup trop triste. Et là, je peux toujours rien faire. Plus de bloqueurs. Le jeu est bugué. Merci le jeu. Fais plaisir. Allez, je me casse. Ah là là. Je peux même pas sur N. Incroyable, je suis condamné à rester là à attendre. Bon, je m'en fous. Là, il notait défaite. Mais d'après le jeu... Je gagnais. Du coup, tu t'abonnes quand même et tu me files 50 balles. Allez, salut. Allez, tu fous-toi pas de ma gueule. Le jeu, là, il m'a juste fait une grosse blague. Mais j'ai gagné. Foutez-vous de ma gueule. J'ai gagné et je n'en démordrai pas. Ah, la décision. Ça, c'est un peu un problème du jeu. J'ai des bugs à l'infini. 69. C'est de la merde, je m'attendais à plus. J'ai pas loupé autre chose. C'est un Joker. Ah, super. Beaucoup m'aider. Ouais. On va retourner à l'accueil. Attends, retourne déjà aux îles obscures. Les obscures. Reviens. Moi, je suis retour. Non, je veux l'accueil. Voilà. Oh, parfait. D'avance précis ce chiffre. Incroyable. Incroyable, je m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi précis le chiffre. En tout cas, c'était Alfrager. J'espère que la vidéo vous aura plu et que cette démonstration de comment créer vos decks est efficace. Premier deck, il était pourri. Il était nul à chier. Le second deck, il est bon. Il marche. On a fait 3 matchs. On est parti sur une victoire. Une défaite et une victoire, mais qui se transforme en défaite à cause du bug du jeu. Super, merci le jeu, je te déteste. Cordialement. Sur ce, c'était Alfrager, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que votre journée se passe bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, de decks, de présentations de decks ou de formations à bien jouer au jeu de cartes parce que vous êtes nul et que vous voulez avoir du talent.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement et de plaisir. En tout cas, c'était Alfred Gore. J'espère que vous allez bien. Bye tout le monde!